c'est Jean-Serre Troy et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de test du jeu Passadello, un petit jeu d'horreur indie comme d'habitude. Donc c'est parti. Heard about that place, voilà. About evil voilà. Creatures, deaths and missing people. I can't stop thinking about how this place really is like. If there is any truth to all those stories. Je sais pas vous, mais moi j'y comprends strictement rien. Alors. Tu veux des tels sons? Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis dans le noir. Enfin, à moitié dans le noir, juste ma télé qui m'éclaire. Mais ça, c'est pas pour me rassurer, hein. Vous voyez pas ça. C'est juste pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc voilà. Let's go. Nous rentrons dans l'antre de la bête. Alors, W1, d'accord, c'est un QWERTY. Ok, clac. Voilà. Donc je n'en connais pas plus sur le jeu. Comme d'habitude, j'évite de me spoiler. Alors. Il me manque une valve. Moi je suis nul en anglais, mais je comprends quand même quelque chose. Si c'est pas magnifique. En tout cas le jeu est très fluide. C'est sympa. Donc. Run away. Et une clé. Nickel. Bon. Alors. Ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir? Non. C'est locked. Les décors sont très 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 sombres, mais ça va parce que la torche éclaire quand même un minimum. Non, c'est fermé. Est-ce que j'ai un inventaire? Non, non, on va rallumer. Je ne sais pas. Je ne crois pas en tout cas. Ah si, l'inventaire ça va être le petit truc que vous voyez en bas à droite. Je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs parce que je vais mettre la vidéo en 16:9, ce qui fait que ça va couper le haut et le bas de la vidéo. Pour avoir un meilleur rendu sur YouTube. Alors, get out of here. Ok. En gros, on peut traiter ça comme casse-toi d'ici. Donc look back. Bon, là, il me semble que ça veut dire ne regarde pas derrière. C'est ce que je viens de faire. Bon. Alors, les toilettes. Fermé. Fermé. Ça c'est quoi? Un tournevis. Semblerait-il bugué. Ah what the hell. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a un espèce de zombie bizarre, mutant, transgénique, etc. qui vient de passer devant moi. Ah, serait-ce la valve en question de tout à l'heure, ouais. Oulala, je me suis chié dessus un peu. Alors. Un mot de passe, 4-2-1-3, 4-2-1-3, retenez-le, vous me le redirez, non, retenez-le plutôt, vous me le redirez tout à l'heure. Alors, mais toutes les portes sont fermées, 4-2-1-3. Toutes les portes sont fermées, ça aussi c'est une règle des jeux d'horreur, toutes les portes sont toujours fermées.
Ah putain, tu l'es de ta race. Non, j'ai pas eu peur. It's not safe. Ce n'est pas sûr. En dehors de je sais pas quoi. Voilà, une clé. Ça c'est quoi? Ça c'est une ampoule. Tout à l'heure, ah, je sais où la mettre l'ampoule. Je sais où la mettre. Ça c'est, ah bah ça c'est le boîtier où je tape le code pour. Ah putain, c'est bien foutu. Et donc ce boîtier là, il doit se mettre logiquement. Putain d'orage de merde. Logiquement, il doit se mettre à cette porte là. Hop, hop. Bon, on se retrouve après cette petite ellipse où j'ai résolu le mystère au bout de 15 minutes. En fait donc, regardez, là il y a 4 boutons. Donc il y a un jaune, un rouge, un vert et un bleu. Donc il fallait juste allumer les valves. Donc le jaune, le rouge, le vert et le bleu pour activer le générateur. Pas trop casse-couille. Ouais. Ah c'est ouvert. On va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Oh là là, le générateur il est en sursaut, je sais pas quoi là, il va exploser si je me casse pas. C'est ce qui était écrit. Donc bah, écoutez, on va partir vite. Alors là c'est dans son lac, le jeu est ridicule parce qu'on peut pas courir. Pourtant on sait que ça va exploser. Quoi? Quoi, c'est fermé? Attends, da fuck là. Ah oui, c'était 4, 2, 1, 3. Merde, je vous avais dit de le retenir. Oh, bouge pas, bouge pas. Non. Bon bah je suis mort hein. Recommencer. Bon voilà, on se retrouve après cette nouvelle petite ellipse. Attendez, voilà. Donc là, je vais réactiver tout ça. Donc jaune, rouge, vert, bleu. Jaune, rouge, vert, bleu. Hop, maintenant, on se casse. D'ailleurs, bon, je recommençais. J'ai cru avoir trouvé une autre clé que j'avais pas trouvé avant. Ah merde. Peut-être que j'active le générateur, non? Bah je vais aller trop vite, moi je suis. Voilà. Ah shift run. Ah j'avais pas vu ça. Ah je peux courir. C'est magnifique. Est-ce que là le code? 4, 2, 1. Incorrect code. Alors là il se fout littéralement de ma gueule parce que le code... Ah, tête, tête. Le code, je peux vous le montrer. J'y vais, j'y cours. 4, 2, 1, 3. Hein? Et on se fout de ma gueule là. C'est beau. Ah, code d'or. 2, 3, 1. 2, attends. 2, 3, 3, 1. Allez, on va... J'ai pas peur, quoi. Ouais.
Oh là 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 là. Non, la lumière, reviens la lumière. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Putain, je suis trop content. Donc bah voilà, c'était Passadello. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, ça serait plaisir. Donc voilà, ciao ciao.